Yon quarantaine établissements t'a dû servir comme centre vote dans l'élection 20 novembre 2016. Yo. Établissement ça a servi comme abri provisoire. Institution électorale l'a dit, yon mobilisé, yon façon pour ensemble avec exécutif là, yon rivé atteindre objectif yo. Élection 20 novembre yo, gen pour avec élection présidentielle yo, 16 sénateurs avec 25 députés, élection ça qui prévoit pour 9 octobre là, t'est renvoyé à cause des gars ouragan Matthew, t'est causé sous divers départements pays, hein, 3 à 4 octobre passé, hein. Non sans ça, 16 sénateurs avec 25 députés. Côté on a 25 députés ça. OK, mais on parle de côté qui circonscription pas gain député. Il va le faire, c'est ça les législatives complémentaires là. Les tout ça. Oui, tout ça. Oui, c'est nous prend Cayenne, nous prend Miragouane. Non, non, il y a plusieurs communes. Non, il y a plusieurs communes. Non, non, il y a plusieurs communes qui pas gain. OK. Donc on a vérifié. Est-ce que l'élection yo a fait dimanche 20 novembre? Point d'interrogation. C'est question 6 189 253 électeurs avec électrices haïtiens qui ont posé tête, mais qui semblait beaucoup gain réponse. L'autre question, citoyen et citoyenne dans le pays a posé, c'est qui ça qui pourrait le passer si l'élection n'est pas ta organisé dimanche 20 novembre qui a venu là? Seule explication, nous cabaye, deuxième lundi janvier 2017, parlement a dysfonctionnel, puisque 8 sénateurs en fonction a demandé au Kaba. Même si tu as gagné une séance qui fait pour permettre députés qui étaient en vacances pour prendre travail. Après, sur question ça, ça nous veut montrer ça que et chambre des députés il y a vacances. Oui. Et donc deuxième lundi janvier 2017, il y a rentré. Oui, il y a rentré. Oui, oui. Donc si sénateur prêt aller, donc sénateur ça on a parlé, on a décidé venir parce que c'est okay. Jusqu'à 11h59 et il y a toujours sénateur. Okay. Donc tu es capable de faire une séance pour l'ouvrir en législative. Oui, oui. OK. Et mais c'est même Finfel, c'est Alfa Outio. Oui, Alfa Outio. Donc même là, même la chambre des députés est rentrée en fonction, mais si l'élection n'est pas faite, donc 8 sénateurs ça va pas obligé aller. Oui. Pour aller abriter et combien? Moi quoi c'est 14 sénateurs. D'accord. Qui est prêt. C'est ça. En page Jocelyne Privert avec François Joseph, Sénat République Lang pour aller manquer 8 sénateurs. Jean-Saudi Lang guerrier, c'est sénateur Rusne Polycarp dans Nord, Jean-Baptiste Bien-Aimé dans Nord-Est. Andris Richer dans Gandance, Fritz Carlos Lebon dans Sud, Francisco de la Cruz dans département Centre, Steven Benoît dans département l'Ouest, Lucas Saint-Ville lui-même dans Nord-Ouest avec Edwin Zeni dans département Sud-Est pays d'Haïti. Kounia vin rete 14 sénateurs qui s'écolent Mura Contave, la Tibonite, Djepi Chérubin, Sud-Est, Onondier Louis, Nord-Ouest, Ronald Larèche, Nord-Est, Antonio Cherami, département l'Ouest, François Nédénius, département Nip, Richard Lenin, Hervé Fourcan, département Sud, Jacques Sauveur, Jean, Nord-Est, Yuri La Tortue, La Tibonite, Rika Pierre, Sud-Est, Jean-Marie Junior Salomon, Sud, Jean-Renel Sénatus Zokiki, l'Ouest, et Valéa Beauplan, Nord-Ouest. N'a pas rappelé, département Centre, Grand-Danse, Arc-Nord, ces trois départements, côté Tadoué, gagnent élection deuxième tour pour 6 sénateurs, qui a bien prouvé une complétée Sénat République. Non. Qui ça? Qui va arriver avec conseil électoral provisoire Léopold Bélanger, hein, s'il n'est pas arrivé délivrer marchandises. Non, l'autre gros point d'interrogation coquin dans le conseil, non. Qui ça tout qui va arriver, président Jocelyne Privert, si élection, yo, une des principales missions, lui, pas arriver organisé. Troisième point d'interrogation. Réponse à question ça, yo, nan jou kap vini la yo. Il n'est que d'attendre. Oui, on attend. Oui, attendre pour qu'on ait qui ça qui peut passer. Et député Fritz Chéri, rappelez-nous, c'est 26 députés, au lieu de 25, c'est 26 qui étaient, qui dehors, plus 93 qui en fonction, ça vient by 119. Donc 26 plus, oui, c'est ça, hein. 26 plus 93 qui en fonction là. OK. Parce que c'est 119 députés qui a pas gagné. Donc, voilà, et texte ça que nous écrit justement pour montrer qui
ça qui peut être capable d'arriver si élection pas ta fête 20 novembre. D'ailleurs, il y a des conseillers qui déjà parlé sous ça et les noués et correspondants ça que vous voyez, bah, le président Justin Privert pour dire faut que centre de vote ça yo réparé, faut que gagne une route qui est praticable pour aller dans 161 l'autre centre de vote. Donc, situation semblait compliquée et nous pas sûr gagne démarche ou bien gagne accélération qu'a faite pour que l'élection. Pour Jean l'État sapin lagué, à oui, marcher clopin. C'est élection ça va le faire et si on va le faire, mais qui conséquence, je me dis là, parlement qui pourrait le dysfonctionnel puisque le Sénat républicain pourrait arrêter seulement 14 sénateurs. Bon, il y a des gens qui disent, on semble pas parler tout, ou que on a prolongé le mandat. Mandat qui est-ce? Sénateur qui parle. Et qui est-ce qui est capable de prolonger le mandat? Prolonger le mandat tête, non, il n'est pas capable. Loi électorale, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Bon, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de faire ça. C'est aller à l'élection, s'il y a tourné, pour y retourner. Donc, son pays qui pral vraiment panne, non, je ne vais pas le venir, puisque si pas gagné député, et manqué, il y a bien député, mais pas bien sénateur. C'est-à-dire que n'y a pas de capable de poser. Bon, après le matin, là, comme nous avons parlé avec le professeur Pierre Etienne, et nous avons pour nous parler toi de l'autre personnalité pour que nous capables, et on j'en mette mon yo, sous main yo, par rapport avec actualité politique. Plusieurs organisations populaires manifestaient vendredi passé devant le local conseil électoral provisoire l'an pour exiger au retourner sous date 29 janvier 2017 l'an qui prévoit pour organiser deuxième tour élection présidentielle yo. Protestataires yo qui dit au déterminé quoi l'important pour une nouvelle équipe en tête pays à 7 février 2017. Reportage Réginald Rémy. 29 janvier 2017, date qui kembe pour deuxième tour élection présidentielle yo, continue fait débat, et puis soulever un pile mouvement, lever campé, nan mitan secteur populaire. Journée vendredi 28 octobre 2016 là, diverses organisations populaires t'es planté piquet yo devant institution électorale là, pour exiger KIP à reviser calendrier, qui après ça yo dit, foulé en bas pied, date historique 7 février à. 7 février à, l'étape négociée, nous là yo vini à un deuxième tour. Porte-parole conseil électoral provisoire Nicole Siméon voulait jeter toute l'idée pour ta retourner sous date 29 janvier 2017 là, qui donc pas gué aucune possibilité pour organisation Sayo ta joindre satisfaction. Poser aux questions sous déclaration si là, organisation Sayo rete quoi, joue conseil électoral Léopold Bélanger a dirigé à compter, là yo considéré quelques anciennes déclarations, conseil électoral Pierre Léopold te qu'on fait. Conseil électoral, là, s'il connaît la pré-élection pour lui, mais ma famille, ok, pas de problème. Mais la pré-élection, pour les Haïtiens. Et c'est ça, papa ici a demandé, en vertu de la loi, en vertu de principe qui réécrit dans la loi. Des prêts, au pont, courir déjà, on y est pas de niveau au pont. Fois ça, nous-mêmes, la marée, Bélanger, la marée, monsieur, la marée, et puis la paix, si parti politique à candidat, ou en date 29 janvier 2017 là, y a une manœuvre pour prolonger transition dans le pays. En tout cas, organisation populaire, yo, pour mettre pour utiliser tout moyen pacifique pour forcer KIP Léopold Bélanger tourner sous date là pour une équipe tout neuf capable de prendre le pays 7 février 2017. Réginald Rémy, Caraïbe FM. Merci Réginald Rémy. Gen mouvement organisation pour une nouvelle alternative Mopan nan tête coulée avec plusieurs autres organisations présenté en proposition par le conseil électoral provisoire dans l'idée pour sauver processus électoral lan. Ensemble organisation ça yon encourager conseil électoral yo prend toute disposition pour organiser une élection libre honnête démocratique. Coordonnateur général Mopan nan Étienne Jacques Wande a expliqué dans micro Guerline Maurestin. L'en considérer élection c'est seul moyen pour changer personnel politique nous yo, tandis que nous gagnons un processus électoral qui date plus que yon l'année. L'en considérer rôle grand dette à qu'indépendance décret électoral là, maman loi pays à bay Karipia pour l'organiser et puis contrôler déroulement processus électoral là sur tout territoire pays jusqu'à ce que au publier résultat sans aucune contrainte.
L'en considérer environnement électoral là commencé contaminé avec violence, insécurité générale sous toute forme dans tout pays là. L'en considérer passage cyclone Matthew sous pays là qui cause pile dégâts spécialement département sud grand de Sacnip qui permettent conseil électoral là obligé mettre dehors un autre calendrier contesté pour organiser premier tour élection en 20 novembre 2016 et deuxième tour 29 janvier 2017 qui pourra le permettre 7 février 2017 là pas respecté. Toute société à classe politique là pas suspendre demander révision calendrier suspect là. Mopan à toute organisation sociale et politique ça a demandé à Kaipia organiser un chita attendez à tout acteur politique dans pays là pour joindre une plus bonne formule pour réviser calendrier électoral là pour permettre 7 février 2017 gagner un nouveau président élu installé dans palais national. Appliquer décret électoral là contre tout escamoteur qui montrait yo hostile à processus électoral là et qui voulait n'importe qui empoisonner exercice démocratique ça. Prendre distance nous à toutes vieilles décisions manœuvres équipe palais national là qui capable d'influencer élection hein, respecter engagement nous te prend pour organiser bon gens élection dans pays là. Mopan à toute organisation signataire résolution patriotique ça préoccuper l'esprit membre KEPA. Et résolution ça, qui initie et signé par un ensemble d'organisations sociales et politiques, appliqué pour permettre aux acteurs politiques de gagner plus confiance dans la machine électorale là, et qui pourra déboucher sur une stabilité politique dans le pays. Là. Voilà, donc question élection que n'a pas continué à parler pendant tout journal ça matin. Tout à l'heure, n'a pas quelqu'un pour nous parler avec correspondant nous dans Gradance, Frankel Maginer. Surtout, nous connaissons une zone ça qui était frappée. N'a pas quelqu'un pour nous aller au Caire également avec Jean-Nazaire Gentil. Pour connaître, est-ce que y a un monde qui commence à quitter espace hébergement, abri provisoire, qui t'a dû servir pour cette vote. Comment y a même une situation hein, par rapport à date. Ça a 20 novembre qui a pas avancé. Et puis, n'a pas cherché tout. Yon a membre commission, chambre députée, en mette campé. Yon là pour commission suivie, chambre députée. Donc, yon t'a donné explication pour bail, hein, sur comment yon est situation dans grand sac dans le sud pays hein, par rapport à question élection. On a pris le fait contact yon tout à l'heure. Quantité dégâts cyclone Matthew fait sous Haïti, évalué à 1,9 milliard de dollars américains, le montant qui est égal à 20% produit intérieur brut payant, d'après ministre économie et finance, qui d'après rencontré la presse vendredi passé à la salle convention Banque Centrale en Port-au-Prince, de secteur dégâts au pilou, d'après Yves Romain Bastien, c'est agriculture et logement, pertio, dans deux secteurs, ça y est, côté 78,4 milliards gourdes. Ministre Bastien a annoncé, et on l'autre côté création, il y a une cellule coordination pour traiter Igensio, les gains en tête, les anciens gouverneurs BRH, Jean-Charles Castel. Un côté précision, Yves Romain Bastien, dans le micro, enfin des sources. Nous avons distribué environ 1288 tonnes métriques de produits alimentaires. Il y a pas mal d'abris qui ont été couverts. Le MSPP, en coordination avec ses partenaires, a déployé des équipes mobiles d'intervention rapide dans les zones dévastées par le choléra et a réussi à contrôler la résurgence et la dissémination de l'épidémie. Des réhabilitations sont en cours dans 89% des structures sanitaires affectées. Les TPTC ont pu ouvrir, avec l'aide des Dominicains, environ 460 km de route. La ville de Car a commencé à être également nettoyée. On a dit, la DINEPA a distribué environ de nombreuses bouteilles d'eau potable. Nous l'avons fait aussi par camion et par conteneur. En bref, nous pensons avoir mobilisé les moyens dont nous disposons pour travailler. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il faut répondre aux élections, nous avons décidé que toutes les écoles, les églises, les tribunaux et dans la mesure du possible, tout ce qui est possible de recouvrir, parce que c'est surtout les trois qui ont été affectés, il y a eu sûrement des maisons détruites, mais on va recouvrir les maisons de manière à ce que maintenant nous puissions organiser les élections. Dans un deuxième temps, nous pensons qu'il faut qu'il y ait aussi, par exemple, des emplois à se créer. Nous allons travailler pour qu'il y ait 10 000 emplois, aussi bien dans le sud que dans la Grand'Anse et dans d'autres parties du pays comme l'ENI. Ce qui est important de mentionner pour nous aujourd'hui, je dois dire qu'on a eu quelques périodes d'hésitation et de plus en plus, nos réflexions nous ont amené à comprendre la nécessité d'avoir une cellule de coordination. Cette cellule a été aujourd'hui montée et officiellement les autorités vont l'annoncer, mais je pense qu'il était important de le faire dans l'enceinte de la Banque Centrale, parce que c'est un ancien de la Banque Centrale qui a été nommé coordonnateur de cette cellule, c'est M. Charles Castel qui commencera à travailler avec nous. Il a des cailles et comme il y a des gens aussi de Jérémy dans cette zone, j'espère que la coordination va nous donner quelque chose, une équipe de choc.
Donc il commencera à travailler dès ce lundi. De la même manière, on a monté une commission interministérielle. Je laisserai au gouvernement le soin d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que contrairement à ce que dit M. Verella, nous qui sommes aujourd'hui dans le gouvernement, nous sommes conscients du défi, nous sommes conscients et nous ne sommes pas, comme vous dites, par exemple, ce sont les gens qui ne vont pas manger. Ce qu'il nous faut, c'est trouver les moyens justement de nourrir les gens jusqu'à ce que se créent des conditions pour qu'ils puissent vivre dignement et autrement. Voilà, précision, ministre économie et finance d'Haïti, Yves Romain Bastien. Bon côté par le ministre intérieur collectivité territoriale yo François Annick Joseph dit satisfait total capital pour Jean coordination aide humanitaire yo a fait jusqu'à présent une déclaration qui rivait dans un moment côté gain un groupe sénateur qui interpellé François Annick Joseph peut-être d'après vous même lui montre qu'il pas gain capacité pour gérer aide humanitaire yo la gain dans baimento dans une conférence pour la presse jeudi vendredi à Banque Centrale dans Banque Centrale là ministre l'a annoncé lui autoriser quelques sénateur, si vous voulez, accompagner convoi humanitaire qui peut aller dans la zone cyclone Mathieu te frappé. François Annick Joseph, dans le micro, on fait des sources. T'es gué manger, mais y aller déjà. C'est ça que je voulais dire. Y aller qui l'a depuis un vent, t'as pas gentil commencé. Okay. Mais c'est pour raison ça que un député t'a fait tout t'as pas gentil parce que le temps n'est pas joué. Mais quelle est la manière de jouer sur place dans le dépôt à côté de mon cap qui n'a pas même, dis-nous, des parlementaires venus avec 4-4 jours remplis, aller avec des officiels. Avec qui ça? Aller avec ça qui vient dans le dépôt à manger de l'autre bien. Il n'y a pas de personne qui vit ni qui prend y aller. Certainement. Gagnent des parlementaires qui voulaient pour yo conduire convoi yo qui pourraient aller dans la circonscription la caillou. L'important, je ne sais pas si c'est sécurité nous est, ou bien. Je ne sais pas que alors, ça a des faits politiques. Est-ce que nous autorisons ce ministre des parlementaires. Nous autoriser pour yo aller avec de convois manger dans la commune qui touchait yo. Toute qualité parlementaire. Nous tendons toute qualité bagaille et c'est normal. Pour nous tendre toute qualité bagaille. C'est pour ça qu'on a posé des questions. Pour nous faire lumière. Justement. Et moi-même faire lumière avec ça les preuves documentaires. Au niveau du CUN, le centre d'opération d'urgence nationale, la livraison est faite. Moun qui recevoit là, le signé pour le recevoir. Les signés yon fiche. Par exemple, je dois confier au camion manger. Je dois aller. Je dois remettre magistrat X dans telle commune. Lorsque je remettre magistrat X qui a autorité pour le recevoir, qui est destiné pour le recevoir, qui est pour le signer, pour le dire, le recevoir et où tourner, affiche ça pour le moi. Je vais un exemple. Camion que nous louons de camion pour faire transport. Chauffeur camion, le aller avec un chargement. Non, en dedans, il y a un convoi. Il y a un convoi qui doit partir avec, on nous dit, 10, 8, 10 camions la donnée qui peut aller dans le sud. Tout camion va le même côté dans le sud. Un camion qui doit aller, il y a un camion qui a campé Saint-Louis du Sud. Il doit aller arriver, quatre chemins qu'on y a, il y a un qui peut aller et Chardonnière, il y a un qui peut aller camper. Oui, il peut aller dans différentes directions. Là, il y a arrivé. Yo remet Merlan camion provision, hein? Yo remet le tout avec fiche de livraison hein? Que le signé l'y attesté que le recevoir. C'est parlementaire qui fait distribution ça. Et camion ça yo retourné, le chauffeur yo retourné pour yo toucher. Faut que yo présenter fiche de livraison hein? Que yo remet li bay. Mon qui doit. Parlementaire, vous êtes autorisé. Comment ça fait? Parlementaire là pour le magistrat. Vous pouvez parlementaire là pour même pour l'albaïque. La distribuer. La commune. Nous gagnons de magistrats qui chargés pour recevoir aide là. Deux parlementaires. Non, les parlementaires. Qui recevoir deux protections civiles. Moi, je dis, yo recevoir deux protections civiles. Nous pas autorisé parlementaire prendre aide. Nous autoriser aide aller dans une commune ça gagnon parlementaire qui distribue lui-même. On pas connait s'il distribue lui-même ça pas gardé. C'est magistrat qui c'est moun qui signe
qui a une responsabilité distribuée. Ce n'est pas moi-même. Monsieur le ministre, je ne suis pas le parlementaire. Moi, invite à regarder les fiches. C'est ça que je dis déjà. Ou voulez pour me dire oui son parlementaire qui signe, moi je dis al nan kou nan gade moun ki signe. Pourquoi pas faire cette démarche ça? Plus simple. Non, yo ouvert, moins m'a autorisé nous pour aller. Ministre information que parlementaire yo sur le terrain, c'est yo qui fait distribution. Moi pas connaît ça va parler. Sous terrain gagné magistrat qui c'est coordonnateur du comité de protection civile. C'est lui qui a une responsabilité. Maintenant, au niveau local, dans la section communale, il y a le coordonnateur du CASEC qui lui-même jouait même rôle là avec le magistrat. Tout. Le Kounia est de l'arrivée dans la mairie et le magistrat n'a pas fait l'arrivée dans la section communale. Là, nous-mêmes, nous sommes de l'arrivée tout dans la section communale. Là, parce que, au niveau de la section communale, là, coordonnateur CASEC a joué même rôle avec le magistrat en dans le système protection civile. C'est Ménécanique Joseph. L'examen est difficile. Hein? Oui, il y a une question. Il y a une question pour répondre. Le ministre de l'Égal est calme, quand même. Oui, quand bien même. Comme je ne comptais pas, je ne connais pas. Et comment il dit pas garder? Je pense que tu dois garder. Parce que c'est responsable au premier chef. Parce que distribution il y a bien s'il pas fait ça pas garder l'âme trouver ça en tout cas c'est responsable. Bon oui mais chaque monde c'est droit pour la vérifier est-ce qu'elle fait. Oui mais peut-être qu'il y a une équipe qui va les rapports est-ce que distribution en fait. Oui mais équipe c'est ça la parole de protection civile c'est magistrat parce que là elle y arrive sous terre donc il y a monde qui recevoir donc c'est un monde ça pour la place m'était cap dit pas au courant. Seconde information, ça, vous faites apprendre moins les. Mm-hmm. Ou apprendre moins les. On va l'enquêter sur ça. Ou bien, m'dégué doit dire que, automatiquement, aide l'arrivée, joint le magistrat, faut ministre, n'a pis soupoui, n'a j'en ai répondu, pour le pas, prendre, l'autre entrave encore. Les plus bons entraves, les paniers là, mais v'dé, n'a j'en ai répondu, faut que éviter, étant nas pour propre tête li. M'dégué doit dire que, comme étant donné aide l'arrivée, joint le magistrat, c'est magistrat qui va connaître, qui est ce monde qui mieux placé pour faire le rivet côté le rivet? Si c'est magistrat qui fait discussion avec député, on a un magistrat. Si c'est magistrat qui fait discussion avec parlementaire, on a un magistrat. Dès qu'a fait ça va garder là ça doit garder comme ministre intérieur. Oui mais bon en tout cas et ça qui passe c'est que il y a des conflits tout entre des députés, des sénateurs ou bien délégués magistrats ça qui va dans même clan politique yo pas entendre yo. Donc il y a un pile problème et capable de plusieurs raisons tout qui expliquer que aide yo pas arrivé joindre. Non moi ça me le dit dans intervention il faut qu'il prend précaution pour pas avoir raison avec interpellateur yo. Vous comprenez ça seulement. D'accord. On allait bon ça c'est son citoyen qui les même dit c'est oh, bon c'est pas il va notre ça. Et bon, moi, citoyen ça qui dit dans zone petit trou canari choléra tout le monde parce que pas de santé zone petit trou canari zone dorée tout caillou crasé mon a dormi dans la rue il y a monde c'est sous porte ya poteyo donc ça les bon cas pour prendre soin donc mon qui gagne choléra donc demandé à l'état pour faire un gens pour yo parce que pas gagne kazek ni azek dans zone ça yo les trou canari d'après ça on auditeur t'es passé là fin connait gagné Bopali ancien ministre Franz Verella qui était sous table conférence avec ministre Annick Joseph et ministre économie et finance qui plaidait en faveur et plan relèvement reconstruction et développement pour une solution durable après passage ouragan Mathieu sous département yo les croyait gouvernement doit adopter une stratégie sociale économique et environnementale pour relever département qui plus fort en côté ingénieur Franz Verella dans micro en fin des sources. Pour bien situer le problème, essayer d'utiliser une réflexion qui a été menée par quelqu'un capitaliste, c'est le PDG de Shell. Quand on a demandé au PDG de Shell ce que signifiait le développement durable, il a dit que c'était essentiellement 3P, People, Planet and Profit. Et donc, ce qu'il faudra faire pour relever ces départements affectés, il faudra construire une qui sociale, économique et environnementale. Maintenant, quand par exemple on essaie de faire quelque chose qui est à la fois social et économique, on obtient quelque chose qui est équitable.
Et quand on essaie de faire de mettre en place des stratégies qui sont à la fois sociales et en même temps qui protègent l'environnement, on a quelque chose de vivable. Et quand on essaie de faire quelque chose qui prend en compte à la fois des contraintes environnementales et des contraintes économiques, on a quelque chose de viable. Et donc, en clair, ce que nous devons faire dans la stratégie de reconstruction, c'est d'avoir quelque chose qui est à la fois équitable, vivable et viable. Et donc, en clair, voilà l'une des orientations qui doit être fondamentale dans la reconstruction. Évidemment, il y a des décaissements qui ont déjà été faits pour pallier à l'urgence, mais il faudra d'abord concentrer les investissements sur un nombre limité d'activités. Le premier et le plus important, c'est qu'il faut freiner l'insécurité alimentaire et donc donner aux paysans rapidement des revenus leur permettant de freiner l'insécurité alimentaire. Ensuite, il faut rétablir un certain nombre de services essentiels, en particulier des services de base dans la santé et l'éducation. Il faut stabiliser des infrastructures fragilisées et puis il faut mieux gérer les risques d'une urbanisation non maîtrisée. Et finalement, et c'est peut-être le plus fondamental, il faut créer des emplois et donner des revenus aux gens. En pile parole à parler chaque jour comme ça hein, dans le pays. Franck Elmaginaire, bonjour. Bonjour Guerrier et bonjour Bob, et ensemble avec tout fidèle auditeur Grand Boulevard. Tout d'abord Guerrier, information hein, et les bases et sous question qui vient ouais, avec le grade traitement des populations victimes de la jeune après 27 jours. Et d'autre part, nous allons parler tout des questions et abri, qui c'est l'école publique, le coup privé, l'église qui toujours occupé le moment qu'il a parlé. Tout d'abord, et ce qui est par la Sibélon, dans la 5e section communale Jérémie, c'est Ali Grévange, et dénoncé et organisation non gouvernementale, dans Grandos, 27 jours après, Mathieu, même genre gouvernement, et qui passait à rien pour soulager les victimes. D'après Père Grévange, et près de 400 000 habitants à travers le département à vivre dans la condition de monde à vivre. Grandos est arrivé dans l'opposition là. Côté que si les oiseaux qui étaient qui ont agi à ce parti, pas même capable de jouer nos graines bois, voire pour chrétiens vivants. Et tout d'abord, nous venons avec nous, intervenant qui c'est Père Ali Grévange et qui c'est qui est paroisse et Tibélon, et tout d'abord qui peut parler avec nous. Père Grévange, ou en ligne, et dis-nous comment la situation est présentée 27 jours après ce débattement. Lamentable, terrible. Et c'est avec Moussa et Matsalier Bob C, Papa Pep, avec Guerrier, mettant en ordre, et puis tout le monde qui est sur Grand Boulevard. Moi-même, en tant que paysan, prêtre, haïtien, président fondateur, association paysan indigne de Tibélon, directeur fondateur, institution Mère Teresa de Jérémie, tiré fondateur paroisse Tibélon, directeur fondateur lycée congréganiste Saint-Martin de Porres-Siwa, maintenant, profiter l'occasion pour mourir les amoureux contre l'État pays, président, tout gouvernement, contre autorité locale qui l'a département gradation, profiter Nico Caraïbe pour mourir les amoureux contre toute ONG qui l'a vivine établi dans département gradance pour faire de yo, spécialement OIM qui l'a en pile magouille, ACTED, PAM, mourir les amoureux. Pour qui ça mourir les amoureux, m'a dit, pour ça va passer sous Grand Boulevard comme une note vraiment lamentable. Moi j'ai un bateau qui saute Porto Rico, moi gon paroisse qui relé Santissima Trinidad qui voyait 20 palettes manger et d'humanité pour nous la paroisse Tibélon. Depuis une semaine m'a marché tant coup chien dans coup de l'art château. Moi dit monsieur même produit à Okaï. OIM gain machine li loué à $200 américains par jour, li gain dit Jérémy. Les machines là pour les $200 américains par jour, les stationnés château $150. Et bien, ça fait 27 jours depuis machine là, n'a payé, et puis OIM pas venu chercher manger à pour nous. Et bien, matin, je prends un gilet noir, moi, mettez-moi deuil, pour me réveiller à moi pour tout
47 sections rurales qui, par exemple, je ne dis à paysan, excusez-moi l'expression, paysan abjapé, paysan prélamoué, donc nous venons matin pour nous souvoir Radio Caraïbes, sur Grand Boulevard, pour nous dénoncer l'État, pour nous dénoncer ONGO, qui a grillé l'argent, tout le peuple, et spécialement OIM. Et m'bayo matin, pas trois bon 8 pour y aller chercher manger à Okaï. M'bayo matin pour y aller chercher. Et si on parle chercher, pour non pas pas Dessalines qui était dans ces opérations coupées tête boule caille, eh bien, revanche Alic, prêtre haïtien, président association fondateur paysan indigné, parce qu'il n'a pas vivre tant que chien, eh bien, semaine prochaine, nous allons lancer opération coupées tête boule caille. Oiseaux pas d'un côté pour y voler. Tout oiseau vine. Okay. Eh bien, voix pour paysan qui t'a dit Kaili. Qui peut dire Nesli, qui peut dire Cabripi, qui peut dire Cochon, qui peut dire tout Jadel. Mon père, nous avons précisé pour nous, mon père. C'est seulement hier, moi, qui n'ai aucun défaut. Allô, Frankel? Allô? Ouais. Oui, permettre que nous poser père, en question parce que il parlait de opération coupé tête boule caille. Donc ça le veut dire par là parce que Oui, lors dit opération coupé tête boule caille, là ça veut dire par là. OK, opération coupé tête boule caille, là c'est opération pour l'État bonne droit non. C'est pas pour dire coupé tête monde boule caille, non, opération pour l'État. Précision ça important hein. Avec ce que bien, pour l'État respecter droit non. Nous-mêmes, comme citoyens, pour nous faire des voix, nous, comme ça doit. Des voix, nous, c'est mes petites dans l'école. Des voix, nous, c'est éduquer des petites nous. Des voix, nous, c'est prendre soin des petites nous. Je ne j'en dis, comme association et professeur, pour aller parler, je ne vais pas parler de ça. Moi-même, moi, j'étais dans l'aide humanitaire là. Qui ça l'État fait là? Il fait la sous d'oreille. Ça veut dire, après 27 jours, pas gagner urgence encore. Paysans, lui-même, il va le démêler. Là, qui ça pour paysans, il va le démêler. Lui, l'école va l'ouvrir. Comment va l'ouvrir l'école? C'est de la peur paysans vivre. Donc, on a précisé encore pour le monde pas interpréter samedi. Hein? Opération qu'on peut être pour les canards, c'est opération pour l'État bande droit, nous, pour respecter les droits, nous, et nous-mêmes, comme citoyens, pour nous faire des droits, nous, comme ça doit. Ça, c'est des positions pour aller là. Parallèlement, il y a un membre plateforme là qui fait porte-parole là, et du Pierre lui-même qui peut aller dire nous, est-ce que c'est possible pour cette novembre à respecter? Et nous saluer Bob C avec Guerrier sur Grand Boulevard. Alors nous profiter l'occasion ça pour nous faire plateforme syndicat enseignant grandeur qui est groupé là dans une nous connaît CNEH. Eh bien, il y a saisi en B et côté directeur départemental éducation, hein, ça parle hier sur une antenne locale. Pour te préciser que le 7 novembre, l'école là a trouvé l'ouvrir porte li. Donc, ça fait nous indigner en pile, mais nous connaissons que gagner 210 écoles dans le département qui crasaient avec endommagé. Donc, ça c'est bilan provisoire que ils ont repéré déjà. Et voilà que c'est pour le bilan définitif là. Donc, dans un moment ça, côté pour qu'on ait même l'école et yo tenté réparer, rien pour qu'on fait. Et côté où qu'on est, Mézi paysan, ça c'est caillou crasé, Timoun l'école yo, ça c'est pas gagné rat pour aller l'école, yo pas gagné uniforme, yo pas gagné souliers pour yo mettre. Il n'y a pas de rien, cahier, livre, tout bagage ça est censé égarer, la cour devant Mathieu. Professeur, il y a même, et donc c'est par où qui est programmé, professeur, il est censé victime intégralement dans le département, censé, il y a la guerre aux abois, ça veut dire, professeur, il est censé pas de cahier tout, il n'y a pas de rade pour mettre pour aller faire l'école. Il faut que mes documents que j'ai gagné, livre, cahier, tout bagage, ça c'est égalé. Donc, pour votre position, c'est que nous-mêmes, nous n'avons aucun problème, parce que c'est un plaisir pour nous, pour l'école, de l'ouvrir porte-lui dans le département. Mais nous demandons l'État pour lui prendre responsabilité, c'est quoi pour lui réparer l'école comme ça doit. À faire de l'école, par exemple, des graines, tant que l'école congréganiste, qui t'a censé venir l'ouvrir porte le 7 novembre. Donc, nous trouvons son aberration totale. Nous trouvons lui grave, en pile,
parce que les nous considérer et quantité milliers de monde qui sont censés arrêter, qui ne peuvent pas aller à l'école, les abgades pour Ottawa, par exemple, deux, trois petits voisins qui passent pour aller à l'école, nous pensons que ça a créé un choc, un autre choc sur le monde ça y est encore. Parce que le choc massif est créé là, ça prend son deuxième, et tout, nous-mêmes, nous fixons une position claire. 7 novembre. Non, 7 novembre, non, pas là-dedans, pas là-dedans, et nous tiens à ce que le ministère est capable de mettre des voiles au propre, de quoi pour permettre que toute l'école, le département, l'ouvrit ensemble. Parce que nous-mêmes, nous demandons tout, nous avons une conférence de presse, nous demandons tout. Et pour guérir une subvention pressée qui baille pour tout enseignant, parce que nous connaissons l'État touché LDU, LDU qui fait son d'urgence, eh bien, dans le moment ça, professeur, il a besoin LDU a, pour restituer. Donc, nous demandons pour tout bail, ça est capable de remplir, on va pour nous aller à l'école. Merci, calme, Junior. Pour tout le monde. Voilà. Guerrier, sa tradition pour nous défier à l'intervention, il est important pour nous faire connaître, en absence de l'État, à travers le ministère de la Culture, bien ingénieur Jules Célestin, à Pomme d'Assel, l'Insacatrice, et nous savons mobiliser là, une équipe de façon pour capable de faire réparation. La cathédrale Saint-Louis, qui nous connaît, qui sont patrimoine culturel du département, juste pour permettre fidèles les visiteurs, même capables de prendre la foi à travers le local, ça, tout d'abord, qui sont sites touristiques du département. Rapidement, Gaïe, nous nous remercions, Bob. Oui, Fokel. Oui, Fokel Maginaire. Donc, question de poser, les gars, rapport avec l'élection. Oui, donc, comment est le département les mêmes par rapport à abri ou du moins des espaces qui ont servi centre de vote? Donc, nous parlons de le jour pour l'élection, yo, fait là. Est-ce que yo libéré déjà? Comment ça y est? Comment est-ce qu'ils sont ça eux-mêmes? Non, à travers 12 communes départements, permettez-nous de ça qui était vivant, autant pour le local, le lycée Alexis, et le lycée Bienfil, même l'école congréganiste, et qui se collège Saint-Louis, quand il peut encore, c'est abri provisoire, le moment qu'il n'a pas allé là. Et pour montrer que c'est abri provisoire, après passage de la République dans le département, là, surtout dans le chef du département, il s'est dévoué 4 projets. Il faut que nous nous. Là, il y a un abri provisoire, même Abdali là, qui s'est mis sur nos Alexis, il y a un projet de l'État là-dedans, ça démontre que l'État, toujours qu'il y a des mounous là, abri provisoire, et pas de l'éclairer, et même question est là. Non seulement le babaï au manger, mais le babaï au lumière, même les îles là-bas, les lumières, mais il y a trois projets de l'eau pour qu'il continue à vivre l'abri provisoire, surtout à travers l'ici dans Alexis, qui s'est mis la référence, qui vient des centaines de mounous là, dans la niveau chef du département, qui s'est géré. D'accord. Merci un peu. Merci, Frankel. D'accord, bon travail. Trois semaines après passage ouragan Mathieu sous pays d'Haïti, rien pour clair pour victimes yo qui toujours attend intervention dirigeant yo sinistré dans diverses communes tant que les Anglais à Chardonnière mandé intervention rapide MSPP à cause d'épidémie choléra cap valé terrain dans commune ça. Reportage Jean-Georges Blaise. Tout le monde a pu y aller l'appeler parce que pas de côté, pas de caille pour dormir. C'est à la Belle Étoile, sinistré, ça y a dormi levé trois semaines après catastrophe qui cause, plus passé, il y a 1 million de monde à terre la ria, sans qu'on ait, n'en combien temps encore, l'État haïtien a capable de faire quichoy, pour pile un paquet de familles, ça y a fait face à toute qualité problème, je ne vous dis, malgré aller vini, un gros chabret dans l'État, partenaire local, coup étranger, solution dans toute calamité victime, semblait pas pour ni jeudi à demain, puisque, il y a trop de traînés pieds dans gestion catastrophe d'après constat divers secteurs qui mettaient gouvernement sous bas accusé. D'ailleurs, l'État pas présent, d'après Moun les Anglais, Chardonnier, Tiburon, qui pas caché mécontentement eux. Dans côté sud là. Bon côté l'État, nous-mêmes là encore maintenant, nous ne pouvons joindre rien. Vous connaissez nous à la veille élection. L'État n'a pas gagné rien que la paix, c'est l'État qui a organisé l'élection pour partisans le bon équipe, côté concentré et bio vers le monde par qui prend l'élection pour faire propagande politique, mais pas aller vers besoin et population. La population n'a pas joué rien. Pas bien l'État qui vraiment arrive à joindre la population jusqu'à présent. Vous regardez les Anglais actuellement. Comment un camion a privé pour aller porter secours à mon Tibion, à mon les Anglais? Pendant que rivière les Anglais, machine va arriver à traverser. Esda Jean-Yvon, Jefté Jean-Pierre, deux notables parmi ensemble citoyens les Anglais, qui dit qu'ils ne comprennent pas qui s'est fait jusqu'à présent après cyclone. Si la pluie a battu Mounio dans la rue, choléra,
si on l'autre tête chargée, selon compatriote ça. Bon côté l'État, nous-mêmes la commune, nous ne pouvons joindre rien. Vous connaissez nous à la veille élection. L'État n'a pas rien que la paix, c'est l'État qui a organisé l'élection pour partisans le bon équipe, pour concentrer et vers mon pays qui prend l'élection pour faire propagande politique, mais pas aller vers besoin et population. Population pas joindre rien. Pas de l'État qui vraiment rejoindre la population jusqu'à présent. Vous regardez les Anglais actuellement. Comment un camion a pris le char pour aller porter secours à mon Tibion, à mon les Anglais? Pendant que rivière les Anglais, machine va arriver à traverser. Tout ça fait Mounio pas gagner dormir la nuit comme la journée dans la côte sud. Là. Pendant et après les un mois contre l'épidémie choléra, victime Mathieu Kwe, t'as dû gagner structure qui mettait en place pour permettre de parer la plia en attendant projet reconstruction Kaila à Tiv. Ville les Anglais était seulement 37 cailles qui campaient debout. Pour toute ville les Anglais que nous connaissons. Chardonnier pas parler. Là nous garder sous zone Kalapa sous tout groupe Chardonnier là, l'armée a prend tout caille tout monde yo. Moun yo qui nan ka qui nan la rue qui pa gen caille. Faut caille yo reconstruit. Nous ta remen pour l'état haïtien hein, pour yo voyager garder peuple là parce que yo pa gen capable satisfaire avec quoi là. Yo pa ka satisfaire avec troll parce que yo pa jeune personne moun qui ko vini pour aider aussi tout l'état. C'est grand Mathieu qui finit à Kimbo pays hein, yo mauvais souvenir en tout cas. Nan mémoire victime yo qui vinn pina fait pas bon pour des crises gangoua renforcées je vous dis hein, sans compter moun kakoui qui était section communale yo pour al monter tant nan Port-au-Prince yon capitale qui déjà pas capable encore. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci Jean-Georges Blaise, y a vinn mettre abcès sous clou. Passage cyclone Mathieu, sous pays d'Haïti, déjà la cause en pile famille, a quitté zone qui était touchée pour venir prendre refuge, dans la capitale là, une capitale qui pas capable de gagner encore. Dans les cités, il y a des gens qui ont pensé, ils ont dû être en cherchant côté Métélé, parce que c'est son capitale qui presque effondré. Effondré avec Fatra, la boue vient de l'eau sale. Moun sa yo t'es perdu tout ça, ou t'es possédé, a tenté de recommencer, j'en ai capable. Dans le dossier, dans le journal le matin avec Michel Joseph, Libre à présenter nous, Maud Augustin, 28 l'année. Lisez-moi mon droit petit. Moi, le Maud Augustin, j'ai 28 l'année. Je suis quitté au Nier sous-mour, je suis. C'est dans le département de Grand-Anse. Oui. Bras croisés, à qui on voit plein émotion, témoignage Maud Baidlo Nanje. À qui on corsage blé, yon jiprose, sous visage lit, désolation, en paraît à clé. Cyclone Mathieu sous Haïti, depuis quelques semaines, la gué femme sa, des bras balancés. Bagan, y'en a même un combat, souvent, y'en dit tout, nous, tout bas, m'en croisé net, tout. Les cyclones, non, c'est en bas. Et dans l'issé, y'en a m'dé, les cyclones, non, somme avec toi, t'y moun yon, non, même. On y'a m'bat, gué quoi, pour m'dé bâti moun yon manger. C'est moun qui t'es dans l'issé, qui t'es qu'on a fait m'zèv, pour m'dé bâti moun yon. On y'a m'dé qu'on a fait m'zèv, y'en dit, m'bat gué encore pour yon ban moué. Yon semaine après cyclone Mathieu, Goïjans, c'est pendant assistance autorité à ONG ou misé dans route, Maud a décidé de quitter Moron, commune département Grand-Anse, pour prendre direction Port-au-Prince, pour venir chercher la vie meilleure. Mercredi a fait 8 jours, depuis que je quitte Moron, un chauffeur qui relève son son, m'a dit que libre la game bolido ensemble avec toi, Timon, là même. Je viens ici ensemble avec Timon, là, de 40 ans, tonton, pas de game, rien, pour te battre avec Timon, là. Chaque matin, je suis souffré national, avec un avenir couple, c'est mon qui était qu'on a fait un cadeau, un dollar, pour te battre Timon, là, manger. Port-au-Prince, l'enfer pour certains, mais la terre promise pour un pilote après passage d'un cyclone sans pareil. Mauvais souvenir cyclone non continue à tourmenter l'esprit femme ça. Une catastrophe qui potait toute sa jeune sur route li aller. Même papa petite modio pas épanier. Marie n'a été balgadon bœuf. On y a tant passé jeudi en dessous de pas aller mettre bœuf là pour dire qu'on s'arrive bœuf là. On pied là tombe sous bœuf là mouille qu'on y arrive à toi ensemble avec. On va jeune dit au nom rivière calavel. On a où pour qu'on tombe ensemble avec toi Tim. Oui, pour qu'on m'a toi Tim. Un an, yo gen septembre ça fait un an. Mara ça oui. Oui, toi Mara ça oui. La guerre des bras balancés depuis des semaines, Maud a fait face à la réalité l'enfer Port-au-Prince, li pour compte li pour chercher la vie pour tête pâle et pour trois petites qui chappé en bas catastrophe là, li lancé yon SOS. Là même pour aider moi ensemble avec Simon yo, pour mettre l'école, on tâche ton côté m'occuper. Actuellement, qui premier bagage ou capable mandé qui ça ta caille. On petit côté pour me faire des jours avec Simon. Michel Joseph, Caraïbes FM.
Merci un peu, Michel. Joseph, n'a pas continué avec le développement journal là. Tout à l'heure, nous pourrons faire vite au côté précision, magistrat Jude-Edouard Pierre, qui lui-même était fait coup de pied dans la zone tête Pognon, dans la commune Carrefour. Mais bon, à l'écouter, Pessa, qui lui-même souhaitait qu'elle lance son message pour la commune Les Irois, il dit qu'il y a connu un pile de difficultés, donc, côté que situation pas bon du tout, d'après Saldi, pour mon Les Irois, c'est Père Fisner Vaillant, qui c'est petite Les Irois, qui lui-même, en tout cas, il y a Saint-Domingue, qui souhaitait lancer un message pour autorité, capable de faire pour aider commune Les Irois. Et c'est la guerrière du sel. Non, pas moi, c'est Père Fisner Vaillant. Je travaille en République Dominicaine. Ça fait une deuxième fois que je prends la parole dans toute population irasienne là, pour me présenter tout problème que ce peuple ça a enduré en la commune là, après passage en cyclone Mathieu. Mes amis, ça vraiment triste. Côté l'État, pas jamais voyager garder localité ça. Une zone en côté monde qui l'a dans l'eau. Pas un bon hôpital, seulement un centre de santé. Qui pas même des médicaments pour monde qui maladio joindre bon gens soin. Nous étant recevoir en pile cas de choléra, pas même des médicaments pour monde traiter. Est-ce que la vie monde ou bien santé monde pas une importance? Si la vie monde a une importance, m'a demandé au gouvernement pour lui faire intervention rapide et puis prendre responsabilité lui. En pile cas monde crasé. Pas une tête caille qui était encore. Mes amis, si nous voyons comment moun a dormi dans les Irois, ça va être l'onanger. De la vie tombée, c'est misère sous misère. Moun yo a dormi campé. Pas jamais gen moun qui dit yon mot pour yon. Ma bande, est-ce que ça pas fait partie yon nan besoin qui nécessaire pour moun vivre dans le monde? Si li nécessaire, n'a pas demandé l'État prend responsabilité. Aide moun yo jouen yon façon pour couvrir Kayo. Dans une population qui gagne environ 32 000 habitants, côté une partie dans la population à vivre de la pêche et l'agriculture, et puis une autre partie à vivre sous compte monde qui vivent dans le pays étranger, depuis après le cyclone, dans une situation vraiment compliquée. Parce que pêcheurs n'ont pas qu'à aller la pêche. Travailleurs n'ont pas qu'à travailler la terre. Parce que le cyclone a brisé toute bagaille net. La population est en souffrance. L'État n'a jamais dit rien. Seulement, il y a recevoir de l'État 80 sacs de blé, 80 sacs de riz pour toute une population qui a 32 000 habitants. Semble oublier, si les gens disent qu'ils tout pour voter, même Jacques, tout le monde. Mes amis, attendre c'est les élections pour nous songer si Zio a fait partie pays d'Haïti, non? Mes amis, faut yon moun ta gen cœur li di tant qu'on bout roche si li ta rive Zio pour li pata crier pour jan une série de moun abdomi. Et Zio a dit li pas capable encore. Li bouke pour ça n'a mandé yon intervention rapide en dans commune là. Nous avons besoin de 4 actions urgentes en dans la commune. Là. Premièrement, médicaments contre la choléra. Deuxièmement, tol pour les gens qui ne sont pas capables de couvrir les cailloux. Troisièmement, nourriture pour les gens qui mangent pour être capables de vivre. Quatrièmement, c'est relancement agriculture. Faire une façon pour les gens qui sont capables. Voilà, on t'a pas écouté, Père Fisner Vaillant, qui lui-même t'a placé Crissa pour habitants dans les Irois. Magistrat commune Cafoua, Jude-Edouard Pierre, qui c'est en même temps président Fédération nationale magistrat au FENAM, fait une visite dans la section communale Coraïto avec une section Mona Chandelle, qui était affectée en pile dans le cas de passage ou à Grand Mathuron. Jusqu'à présent, aucun petit monde pour comprendre chemin l'école, d'après magistrat Jude-Edouard Pierre, qui profitait à attirer attention aux autorités sanitaires sur l'épidémie choléra, qui a fait dégâts sérieusement dans la section communale. Jude-Edouard Pierre, Ténamico, Jean-Georges Blaise.
10 sections rurales, yo abandonné, yo toute l'école crasée, tout jardin crasé, tout ça paysan te gagne comme économie et disparaître. Donc de manière spécifique, nous venons là pour une toute solidarité bay Kazakh là et dire tout que mairie de Carrefour a pas accompagné dans l'ouverture l'école là parce que me pense c'est un véritable symbole pour monde Kwaito. Seul côté qui te gagne l'école communautaire à reprendre, mais nous tout rel journalistes de Kazakh là. Nous venons là pour nous montrer mon coïncidence que effectivement il y a deux fois avec eux. Nous dépassons là une fois et cyclone n'a passé l'écraser l'école communautaire ça et Kazakh là en difficulté toute part là nous et là en difficulté pas gagné gros un petit monde qui a l'école tout ça a gagné perdu cahier livre valise on voit un tableau tout casé net de la part de nous venons après constat là nous voyons cette adhésion planification nous regardons ça ministère café mais nous-mêmes personnellement au niveau milieu de Carrefour nous allons intervenir rapidement pour faciliter que l'école là ouvre le plus vite que possible, vraiment le plus vite que possible, parce que je ne sais pas dire là, le gouvernement dit l'école ouvre dans tout pays, dans l'ouest et dans le centre-ville Carrefour, l'école a fonctionné. Et Jean nous a dit tout à l'heure, il y a un appel à la solidarité des directeurs d'école de Carrefour qui ont été faits. Ils ont commencé à répondre, il y a qui baille rad, il y a qui baille tennis, nous venons avec une quarantaine de paires de chaussures là pour distribuer les élèves, les témoignages, nous venons avec caille pour nous donner effectivement. Mais nous allons regarder au niveau mon café qui ça nous a fait pour nous jeudi à ce choléra et la section plus reculée son préoccupation grandissime ça fait nous venir là avec aquatables avec des produits qui facilitent que les populations jeunes de l'eau bonne de l'eau traitée pour boire qui t'a empêché que choléra de continuer et faire grande diffusion ça et au niveau section communale. Voilà précision magistrat Jude Edouard Pierre. Entre la mairie Gonaïve avec la famille Meuse, t'as semblé violent et pas bien accordé pour qu'on ait qui escape vraiment gain contrôle Waf Cédrine Gonaïve là. C'est dans ce sens ça, partisans avec sympathisants, parti 1-1-1, Haïti en action, dans cette indépendance menacé pour t'a fait sans couler si Waf Cédrine Gonaïve là pas t'arrêter sous contrôle la mairie Gonaïve. Dans le cadre d'une conférence, Yobay, partisans 1-1-1 a fait gros menace contre la famille Meuse après avoir été débarqué avec une équipe Negaxam pour prendre contrôle Waf Cédrine. Éric Julien de Vina Gonaïve. Membre staff directoire parti politique haïtien action à Oula Tibonite, mélangé à représentant plusieurs organisations populaires. Proche, même parti ça, dans cadre d'une conférence mi-temps semaine sans la cité de l'indépendance, déploré et puis condamné intervention musclée la police, journée mardi 25 octobre, avec la justice fait sous Waf Cédrine, dans cité de l'indépendance, en façon pour émettre gestion pour Sila, en bas contrôle, compagnie Gonaïve Terminal SA que la famille Meuse a dirigé. Dans l'intervention, Dormi Saint-Philippe, qui s'est un membre influent haïtien en action, jeté responsabilité. Intervention qui fait mardi 27 octobre sous Waf Cédrine a mauvais manœuvre, corruption, autorité pu replacer dans l'État. Alors que le contrat t'est déjà arrivé dans Boutli, Dormi Saint-Philippe. N'a campé en quoi contre tout le monde qui a bataille pour retirer manger dans même monde Gonaïve. N'a pas cimenté 7 fois, 77 fois, journée jeudi, à ce peuple Gonaïve là qui a gagné. Nous dit, peuple pas qu'on perd du bataille, c'est peuple a toujours gagné bataille. Nous dit que Gonaïve a résisté jusqu'à Kaba pour nous toujours gagner Waf Gonaïve. Pour nous permettre l'école à route faite dans Gonaïve. Sous Bopal, Fritz Désir, qui se porte par Haïti en action, liba explication sous décision justice qui était en sorti dans le dossier Sila et puis profiter voyer un pinga par autorité pour avertir sous nouvelles mesures pour adopter dans Joukab Vinlayo contre décision Sila que yo jugé illégal et arbitraire. Fritz Désir. Je dis, la famille Meuse, comme Piaget, comme Deschouquet, comme qui vient débattre mon pays, sans raison d'être, je dis, nous avons un jugement dans nous qui dit perdu dans le référendum. Dans ce sens, nous demandons, nous Gonaïve, ça qui est là aujourd'hui, ce n'est pas question de Maïsanel la tortue, c'est tout le monde Gonaïve. Nous demandons, la famille Meuse, fait un lieu. D'abord, toute information nous gagnons, dans les jours à venir, nous gagnons plus de Gonaïve. Dans un appareil pour Pingouin, Au niveau Gonaïve, nous sommes un peuple qui confie plus vite depuis dans l'indépendance, depuis la question Kako, nous avons ça nouveau. Aujourd'hui, nous avons pinga avec tout le monde au niveau Paquet, qui a pris une décision, tête chape, qui sont dit Port-au-Prince. N'a fait remarquer, c'est pendant journée mardi 25 octobre 2016, la population a été constatée présence plusieurs dizaines de policiers, unités, UDMO, AXIMO, en majorité cagoulés, qui ont fait intervention sous Waf Cédrine. Une situation qui risquait de déboucher sur un gros duel dans la cité de l'indépendance, puisque même Haïti en action, cémenté pour ne pas quitter Waf Sa en bas contrôle, la famille Meuse. Gonaïve, Julien, Eric, Caraïbe FM. Merci, Eric.
Sénateur Youri La Tortue déclaré famille cap exploité roi Fagonaïve Lan sommé après intervention été fait dans Libre Opinion semaine dernière sur antenne Radio Caraïbe pour dénoncer contrat exploitation roi Flan, il dit qu'il est défavorable pour l'État haïtien. Sénateur l'a précisé, sommation ça a pas empêché le continuer dénoncer contrat ça. Sénateur Youri La Tortue dit il a fait tout ça qui possible pour roi ça arrêter pour Gonaïve et faut que CAPN avec la douane qui administre roi Flan correctement. Sénateur Youri La Tortue, dans le micro, Wenger Adrien. Nous avons gagné justement émission dans la radio Caraïbe, côté que nous avons expliqué la question de Port Gonaïve là. Et l'homme tendait que les gens qui étaient dans Port Gonaïve illégalement, ils étaient sommés Radio Caraïbe, ils étaient sommés nous, parce que nous avons dit vérité. Et je pense qu'on y a, c'est pas Radio Caraïbe, il faut parler à toute radio net. Et toute radio qui l'a, dans mes questions, l'autre radio pas gagné, puis passer le peuple là. Parce que Grégory Fritz Meuse, il a pensé au temps de la dictature, ou bien sous coup d'État, côté que, donc a fermé bouche monde et pas dit vérité. Et nous-mêmes, nous décidons de dire vérité et nous sommes sénateurs de la République. Nous élus, nous avons un mandat et dans le mandat, nous là pour nous défendre le département, nous défendre le pays. Et nous reprenons encore cas, puisque j'ai l'impression que c'est dans son seul radio, qu'on va parler sur toute radio. Nous reprenons cas et encore une fois, je vais montrer la presse et je vais nous copier mes contrats qui étaient signés entre l'État haïtien et compagnie Tegosa. Contrat ça, c'est port CDN qui sont ports qui étaient dans l'entreprise CDN côté de l'exporté cuivre. Contrat ça, l'issien, gardez l'article 9 là. Le présent bail est conclu pour et moyennant un montant de 90 000 gouttes par année. Donc, Fritz Meuse, Agrégory Meuse, Louis Pogonaïve là, pour 90 000 gouttes par année. Souprani, l'État fait 1 500 dollars américains, qu'on y est. Donc, il loué pour 100 dollars par mois. Alors que, il y a fait qu'il n'est pas 10, 15, 20 000 dollars dans le pays. Et il était loué pour 9 ans depuis 1997. Il était loué, le présent bail est signé en double originaux, ce jour du 20 août 1997, et au Tessien pour 9 ans. Bail ça, contrat ça pas jamais renouvelé. Yo te loué pour 9 ans, il finit en 2006. Pour qu'on ait nèg sa yo, yo gen gros poèt dans l'État, yo gen gros contact. D'ailleurs, nous connaissons même moun sa yo qui te pote plainte dans l'ambassade qui te zim nan drogue, l'em te dénoncé contrat ça. Et là, yo te kembe yo qui te vin mande pardon. Jodi a, nous te dit que pour ça, faut vin pour Gonaïve. Et pour vin pour Gonaïve dans le sens que qu'on y a pour nommer APN, li nommer la douane. Institution l'État. Eh bien, nous dit contrat c'était pour 90 000 gouttes. Il était fait 9 ans et il aurait été là jusqu'à 2016. Il n'a jamais sorti malgré le bagage contrat. Eh bien, le retiré au rapport, il y a le référé dans le tribunal Gonaïve. Le revient dans référé a dit, attention, en dans contrat, il dit, si il y a un problème en cas de litige, c'est cour des comptes qui peut statuer sous lui. C'est pas tribunal. Donc, tribunal Gonaïve, là, vous voyez dans cour des comptes. Et vous voyez dans cour des comptes. D'ailleurs, vous voyez qui fait dans contrat ça. D'ailleurs, contrat ça n'est pas valide, mais il y a qu'à signer pour ça. Il y a exploité pour pendant 20 ans, on nous garde contrat, monsieur. Pour des comptes partiels, article 200.4 dit dans la Constitution, tout contrat à caractère financier que l'État a signé, faut qu'on continue. Voilà, on t'a pas écouté déclaration sénateur Youri La Tortue. On a demandé à magistrat Torbeck là pour qu'il t'entre en contact avec nous puisque gagné un chèque Always maison funéraire dans Arcayer est quitté pour yo son chèque de 25 000 gourdes donc pour 4e section commune Torbeck Odo, La Roque, Sikou, c'est ça. Donc, magistrat, rentrez en contact avec nous pour nous capables de rejoindre chèque Silla. Nous allons recevoir Pasteur Sylvain Exatus, président Fédération protestante d'Haïti. Pasteur, bonjour. Bonjour, Dieu seul, bonjour Bob, bonjour auditeur, auditrice, internaute de Grand Boulevard, là. Pour moi, tapant de revivre un père dans zone de grande enfant qui t'a parlé, vraiment bien dit. Parce que nous-mêmes, nous sommes au CAI. Nous sommes au CAI depuis mercredi soir pour nous dédouaner et un paquet de bagages pour le peuple. Il y a un bateau, effectivement, qui sortit de Porto Rico et il y a quatre institutions qui ont gestion et bateau, gestion et toute provision qui sont liées. C'est l'église catholique, le maire et puis les chambres du commerce et la fédération protestante d'Haïti. Il y a un problème qui gagne pas toi arriver depuis mardi soir et demain mardi puis pour proposition capitaine de bateau c'est que l'aide de venir en Haïti nous pas gain moyen vraiment pour nous recevoir aide là bateau pas capable de charger à temps parce que il pas venir ensemble avec Fort Cliff avec des
gros fourchette qui pour prendre palette pour mettre au atelier les pas de navel et au caille pour cataguiner mais il y a pas gagné et c'est dans pas ça pour souffler et finalement le premier jour c'est donc seul là qui fait gagner qui a fait la navette déposer des bagages et c'est juste après 4 jours du retard et que j'en ai 2e encore donc ça fait que toute bagaille yo pas capable de débattre maintenant une grande frustration tout le monde et nous on est à demander l'état yo pas moyen pour battre capable de changer et même cette 4 jours derrière samedi soir m'obligé à rentrer et tout marchandisme pour qu'on débatte nous gagnons pour la fédération 4000 kits de provisions alimentaires moi déjà avoué 500 dans le sud-est voué 840 dans Grand Dans, moi j'ai élaboré 500 amis et reste là toujours sous bateau. Je dis demain, ils sont capables de faire fort pour nous joindre, donc on espère que demain nous joignons. Donc, si elle ne va pas si de travaux publics, nous avons besoin de soutien pour aider les bateaux. C'est un problème qui vient. Là, j'en ai tapé à l'imprécision, pasteur Sylvain Exantus, pour être capable de faire suite avec intervention prête l'ensaut de fait, pour faire qu'on ait une pile difficulté pour mon joindre aide. Yo voyez pour yo, surtout dans la section communale, yo, parce que la situation est vraiment compliquée. Pendant l'école, yo a fonctionné dans plusieurs autres départements, c'est que l'on n'a pas touché yo. Élèves qui dans la région Grand Sud pays, toujours pour qu'on capable de prendre un chemin l'école comme ça doit, malgré disposition ministère de l'Éducation nationale qui prend pour mettre l'école ça et l'ouvrir porte yo. Des réalités différentes pour des catégories de timoun dans un seul pays. N'a pas un reportage avec Jean-Georges Blaise et non, Pierre dans l'autre édition nouvelle qui a venu sur Radio. Oui, pardon, Pierre Onel, bonne toi aller au CAI, comme c'était sur CAI avec Jean-Nazaire Gentil, et sous question éducation. Jean-Nazaire Gentil, bonjour. Oui, donc, dis-nous, nous avons suivi un reportage avec Pierre Onel René, pour aller, on a suivi dans l'autre édition nouvelle. Comment ça y est, dans Okaï, avant d'aller dans l'autre ville côtière, Nazaire? Bon, qui est-ce que Okaï pour l'instant, c'est que n'a pas été dans sa vie avec question de quoi, et gagné depuis. Et je suis passé avec quelques écoles qui ont même ouvert les portes, côté que des élèves qui ont même à l'école, même en pile, à l'école sans livre, à l'école sans uniforme, et presque sans énamé, parce que il y a un pile dans l'eau que la majorité ça a été gagné, été perdu. Et surtout, ça a balancé qu'à s'aggraver après l'inondation qui a frappé le département, spécialement ville au Caï. Et week-end patient, côté que il y a du monde même qui a fait quelques. Et 2 jours campion dans Caillou côté et du monde qui a pu se réinstaller après passage cyclone et malheureusement inondation elle-même qui est venue produire c'est la cause que monde Caillou encore une fois d'après et sinistré et dans moins de 3 semaines donc réalité assez qui ça c'est que il y a une école publique après intervention de soldats dominicains ou même ou du moins de dominicains qui et rentrer au niveau du département, qui permettent que vous arrivez déblayer avec du gros matériel que vous avez gagné. Mais cependant, et l'école, et c'est en plusieurs écoles publiques qui ont toujours été comme des abris provisoires, si capable de citer que 4 ans, il y a un lycée Claude Bizot, il y a un lycée Philippe Guerrier, là nous encore dans la ville locale, il y a l'école du Marseille estimé et l'école nationale de Pont-Salomon qui fait environ 4 gros centres. Du moins 4 gros abris provisoires, côté que jusqu'à présent, moun yo même yo en dans espace sa yo, et si moun yo même yo pas de possibilité pour fréquenter l'école. Donc, en majorité, et en plusieurs, et l'école et publique, et privée, pardon, yo même yo toujours été fermé, et gagne majorité l'école publique yo même tout, qui toujours été fermé, côté que si moun yo même yo vont apprendre à l'école. Oui, ça c'est pour l'éducation et nous connaissons l'espace ça et tout. Et nous seulement dans la ville locale, donc nous parlons à travers l'autre commune. Oui, donc nous avons fait remarquer l'espace ça et quoi parler là à côté de l'école, il n'y a pas qu'à l'ouvrir. Donc non seulement au service abri, c'est yo tout à doué servi espace pour comme centre de vote pour la prochaine élection. Effectivement, et lycée Philippe Guerrier, c'est le deuxième plus gros
et centre de vote qui gagne à travers le département, puisque gagne le collège Pierre Corneille qui lui-même gagne 84 bureaux là-dedans, et le lycée Philippe Guerrier qui fait deuxième pic au centre de vote dans le département, qui lui-même gagne quelques 20, 25 à 27 bureaux là-dedans, qui était comme appui provisoire. Nous gagnons l'école du Marseille estimée et qui lui-même gagne 19 bureaux là-dedans, qui encore appui provisoire. Et gagner lycée Claude Dumuzo ainsi que l'autre l'école nationale de Pont-Salomon qui a encore des abris provisoires qui aussi c'est des centres de vote. Très bien, on a les connaît pour l'autre ville côtière que vous avez visité, où est les Anglais? Si nous faisons un coup d'œil et à travers de zones côtières là, commune et majorité commune d'ailleurs donc pas vraiment gagner de centre quand même qui a en fait à fonctionner là dedans. Soti et Port-Salut, Rochabateau, Coteau, Port-Apiment, Chardonnière, les Anglais, et même au niveau de commune Tiburon, malheureusement, nous n'avons pas arrivé, mais information que nous joignons, parce que commune Tiburon, c'est commune qui est limitrophe et de commune Iwa, qui c'est une commune d'Angers qui est vraiment frappée, et Tiburon, qui lui-même, c'est une commune qui est totalement dévastée. Au niveau de commune les Anglais, donc, par rapport avec le reportage que Jean-Blaise Saute-Balan qui décrit en réalité, côté que le palais de quelques grincailles qui ont même campé au niveau de commune les Anglais, mais commune les Anglais lui présente une deuxième réalité. Il peut me dire rapidement qu'il y a plusieurs ponts qui menaient sous zone côtière là, qui étaient endommagés. C'est vrai que il y a de travaux qui ont fait pour mettre que les machines passaient sous pont Sayo, mais cependant qu'il était en danger, puisque en pile dans pont Sayo même, c'est vrai qu'ils ont permis que les machines traversent sous eux. Parce que yo remblayé devant, yo remblayé des machines d'avancée, mais cependant pont yo même yo désintégré, puisque pont yo en fait yo même yo désintégré, donc qui était en danger. Mais au niveau de commune les Anglais, quel que soit machine lui même qui t'a poussé yon cargaison d'aide ou du moins pour arriver au niveau de commune les Anglais, c'est seulement de gros cylindres qui capable de traverser rivière. Côté que les camions ou même yo juste campé au niveau de devant rivière là. Et il y a de six camions, de moins pick-up et jeep qui est doublé, qui a possibilité pour débattre les camions ça, et puis pour capable de traverser avec lui. Donc c'est un véritable technique que les gens qui sautent ici, soit dans le sport au prince, ou du moins au cas du sport au prince pour aller et dans les Anglais Tignon, les gens ont toujours la difficulté puisque c'est transbordé qui ont fait, leur arrivée devant rivière là, pour machine à déposer, et puis ensuite ils ont même pu traverser rivière là, et en pile quoi, ce sont des passeurs qui l'ont.